Ce jeudi 25 mai, Fabienne Thibault était l'invitée de Jordan de Luxe dans l'émission de C8, chez Jordan. L'occasion pour la chanteuse québécoise, révélée dans l'opéra Rockstar Mania, de faire quelques confidences sur sa vie de famille, et plus précisément sur sa fille, Zoé, fruit de sa relation avec Sahu Khan Kathak. Zoé, elle se marie le 24 juin prochain, a-t-elle annoncé, plus heureuse que jamais, avant de préciser que sa future belle-fille se prénommait Laure. Zoé, elle est toute petite, et Laure est grande. Elle forme un très joli couple. Curieux d'en savoir plus sur la relation entre Fabienne Thibault et sa progéniture, Jordan de Luxe a demandé à son invité si cela avait été compliqué pour elle d'apprendre que sa fille aimait les filles. Absolument pas, je le sais depuis qu'elle est toute petite, a-t-elle indiqué, avant de revenir sur la première fois qu'elle a discuté de sexualité avec Zoé. C'est moi, je lui ai dit, écoute-moi chérie, si ta vie c'est d'être avec une femme, je t'en supplie, ne t'angoisse pas, je l'ai toujours su. Elle jouait de la guitare, elle avait 17 ans, et j'ai vu un poids se libérer. France Gall, Daniel Balavoine, Isabelle Boulay, ils ont fait partie de Starmania. Fabienne Thibault cache sur sa retraite, je ne suis pas une femme d'argent. Au cours de cet entretien intimiste avec Jordan de Luxe, Fabienne Thibault s'est livrée sans tabou sur de nombreux sujets, dont ses revenus. L'épouse de Christian Montagnac a notamment révélé qu'elle percevait une retraite plutôt modeste, loin des 4000 euros imaginés par l'animateur de télévision de 33 ans. Et ce, à cause de soucis administratifs. Dans notre métier, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas déclarées à l'époque. Par exemple, un truc idiot, quand j'ai fait ma recherche pour la retraite, je m'appelle BAULT, eh bien il y a des gens qui avaient fait mes petits papiers à l'époque, BAUD, BAULT. Et tout ça, si esti perdu, a-t-elle révélé, avant d'ajouter qu'elle ne souffrait pas de cette perte, si esti bien d'avoir une retraite en ce qui me concerne moyenne, parce que comme ça, je travaille. Je ne suis pas une femme d'argent. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture, C8.